Bonjour à toi, je m'appelle Salissa et je suis heureuse de te recevoir dans un nouvel épisode de mon vlog Histoire de Victoire. Histoire de Victoire, c'est le vlog où je te raconte tout sur les chansons que je compose, je t'explique comment est-ce que je les compose et je t'explique aussi ce qu'elles signifient. Dans mon dernier album, qui s'appelle Terre choisie, il y a beaucoup de chansons et j'ai pris sur moi de pouvoir faire plusieurs épisodes pour t'expliquer chaque contexte, chaque partie de mes textes. Pourquoi ? Parce que ce sont des témoignages basés sur la foi chrétienne, une foi que je vis depuis que je suis toute petite. Alors, encore une fois, bienvenue chez moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite te parler de la chanson « Merci Maman ». En fait, c'est le premier single que j'ai sorti de l'album « Terre choisie ». Puis, c'était un single exceptionnel pour moi parce que l'année 2022, c'était les 70 ans de ma maman. Et donc, je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous en tant qu'enfant. J'ai une petite sœur. Et donc, vraiment, là, c'était l'occasion de la mettre en valeur. Puis, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette chanson, mais alors énormément de mal à écrire cette chanson. Attends, je vais te donner une version là que j'avais avant, qui était vraiment plate, comme on dit au Québec, mais vraiment qui n'avait pas de saveur. Je voulais absolument que ça soit une chanson qui était en français pour que ça soit compris par plus de personnes que juste des ressortissants du Congo Brazzaville ou du Congo Kinshasa, parce que moi je suis du Congo Brazzaville, mais je voulais vraiment une chanson qui soit donc en français, que d'autres Africains ou que d'autres personnes hors de l'Afrique la comprennent, mais je voulais qu'il y ait quand même un fond qui soit de ma culture Congo, donc la langue Congo, et donc c'était ça le fond de la chanson. Maintenant, j'ai eu beaucoup de mal pour le refrain, mais alors énormément de mal. Attends, je te chante une version du refrain que j'ai eu à un moment donné. Et minou kiaku ki kouvoulou siye, amama minou kiaku ki kouvoulou si. Donc, c'était un a cappella, c'était sans musique. Puis, je me suis dit, non, ça, c'est pas une chanson de 70 ans, là, pour ma maman. C'est pas une chanson qui exprime les remerciements qu'une personne voudrait avoir pour sa maman. C'est pas une chanson qui exprime la joie, la reconnaissance. Et donc, un jour, je me suis mise devant mon piano. Bon, là, tu vois pas mon piano, mais il est devant moi. Et je cherchais des rythmes. Et je suis tombée sur celui-ci. Tu vas l'écouter en même temps. Vraiment, le refrain « Ah, Saminou Nzambi Kakusalisa » est sorti de cette mélodie que j'ai entendue sur mon piano. Et c'est ça, je voulais vraiment quelque chose de vivant, quelque chose de moderne aussi, parce que la chanson et la musique que je fais en général, moi, c'est de la musique ouverte à tous les âges, ouverte à toutes les générations. Et La foi, elle est pour toutes les générations. Le Christ, il est pour toutes les générations, tu vois. Donc, moi, je voulais pas quelque chose qui soit juste calqué sur quelque chose de vieillot. Je voulais quelque chose de vivant. Je voulais quelque chose qui parle à tout le monde. Puis vraiment, là, ce rythme-là, il m'a catché. C'est là-dessus que j'ai mis tout à coup le refrain. Bon, il faut que je t'explique le refrain maintenant. Alors, le refrain, Ah, Saminou, Nzambi Kakusalisa. Ah, il y a un secret derrière ce refrain. Saminou en Kikongo, ou en Lari, en dérivé Kikongo si tu veux, ça signifie est la foi, hein, avoir la foi conjuguée à l'impératif. Donc, est la foi. J'aime pas trop dire garde la foi parce que garde la foi, c'est comme si bon, t'avais la foi avant, puis tu l'as perdue, puis il faut la garder. Non, c'était pas vraiment ça. C'est vraiment aie la foi, Saminou. Vis ta foi, tu vois. Donc, persévère dans ta foi. Voilà, c'est vraiment persévère ce que ça signifie. Puis, c'est ça. Et il se trouve que Saminou, c'est le prénom de ma petite sœur. Ma petite sœur, elle s'appelle Persévère. Elle s'appelle Garde la foi. Est la foi. J'aime pas trop le terme garde la foi, mais c'est est la foi.
Et donc, en fait, ça m'est venu comme ça. Je pensais à ma petite sœur, je pensais à moi, je pensais à ma maman. Je parle pas beaucoup de nos pères parce que moi, je suis orpheline, en fait. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu d'avoir à Saminou. Mais quand tu as la foi, quand tu persévères, pourquoi tu persévères? Ben, c'est pour que Dieu te vienne en aide. Donc, Kakusarisa, qu'il te vienne en aide. Ou Nzambi Kakusarisa, que Dieu te vienne en aide. Donc là, c'est encore plus clair. Et comme vous le savez, ben Sarissa, c'est mon prénom. Oui, mon prénom signifie assiste-nous, si tu veux, assiste, supporte, dans le sens vraiment de porter assistance. Donc, porte assistance. Et donc, c'est ça, en fait, le refrain. Le refrain, c'est garde la foi afin que Dieu te garde, te porte assistance. Aie la foi afin que Dieu t'assiste. C'est vraiment ça le refrain. C'est vraiment ça le refrain de la toune. Et ben, c'est ce que je voulais te faire découvrir aujourd'hui. Ça, c'était le petit secret, la petite histoire de victoire. Ma mère a fait deux filles et puis elle les a nommées Sadissa et Saminou. Voilà que à l'âge de 70 ans, et ben ces deux prénoms deviennent une composition de chansons. Donc tout ça c'est pour te dire, premièrement il faut avoir, faut donner des noms qui sont significatifs à tes enfants. Moi c'est super important. En tout cas moi je suis d'une famille où les parents ont choisi de donner des noms qui ont une signification. Donc des noms que l'on comprend, que l'on peut comprendre localement. Donc des noms en Kikongo. Presque, je connais, j'ai beaucoup de mes cousins qui ont des prénoms en Kikongo. Et ça, c'est quelque chose de très rare, hein. Au Congo-Brazzaville, c'est pas répandu. Moi, par exemple, dans mon enfance, au primaire, les profs, les maîtres ou bien les camarades de classe, des fois, ils me demandaient, mais c'est quoi ton prénom? Parce qu'on a été très francisés pendant la colonisation. Et même avant la colonisation, parce que les Français ne sont là que depuis quoi, 150 ans, ou ne sont en conversation, je veux dire, avec nous que depuis 1880, alors que de 1481 à 1880, le Royaume Congo, dont je suis originaire, a travaillé avec les Portugais. Donc, le français, c'était quelque chose de nouveau, c'est vrai, mais le catholicisme, la catholisation, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, ben, a fait que nos rois, par exemple, lorsqu'ils se faisaient baptiser, sont devenus Afonso Ier, João Ier, des choses comme ça. Donc, c'est assez répandu d'avoir un prénom qui a une consonance romaine, qui a une consonance européenne. Donc, c'est vraiment une exception. Je pense que dans ma famille, on n'est pas super nombreux au Congo. On n'est pas plusieurs familles qui avons cette habitude de donner des prénoms en langue. Ça, c'est une richesse. Il ne faut pas la perdre, quoi. C'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Moi, je vis mon prénom tout le temps, ok? Je m'appelle Salissa. Puis, dans mon travail, dans la manière dont je chante, dans la manière dont je fais mes projets, ben, j'ai toujours le côté assistance. Tu vois, même au travail, pourtant, je ne fais pas du service à la clientèle, mais je suis reconnue pour bien gérer les relations, que ce soit avec mes collègues ou avec les clients. Donc, c'est ta vie, en fait. Ton prénom, il définit ta vie. C'est super important d'avoir un prénom qui définit ta vie. Donc, c'est ça. Je voulais juste faire passer ce message que voilà un témoignage que j'ai de la vie de ma mère qui maintenant a 70 ans cette année, puis qui a eu deux filles magnifiques, dont je suis la première. C'est ça, nos deux prénoms combinés font aujourd'hui une chanson qui porte le message de l'amour envers une maman, de l'amour, de la reconnaissance, de la joie de savoir que la maman est avec nous et de savoir ce qu'elle a fait. C'est ça, de juste se souvenir des bons moments que l'on passe ou que l'on a passé d'aimer nos parents. Honore ton père et ta mère, hein, afin que tu sois rassasié de longs jours. C'est ça le message du refrain de la chanson Merci Maman à Saminou Nzambi Kakusarisa. Alors, on va la chanter un peu. Musique!